Qu'est-ce qui se passe? Je revois ma vie se dérouler sous mes yeux. Karen? Oui, je m'en rappelle. Notre toute première rencontre. Oh putain, je suis à la bourre! Bâton va m'engueuler si je me dépêche pas! Excusez-moi, mademoiselle! Et toi? Tu m'aides pas à me relever? Comment? Quel goujat! Tu me bouscules et tu te casses comme ça? Qui t'a appris les bonnes manières? Sérieux, regarde mon jean! Il est tout sale maintenant alors que je suis déjà à la bourre! C'est-à-dire que moi aussi... Tais-toi! Tu es en tort alors je parle! Il va falloir te faire pardonner! Pardon? Parfaitement! Tu vas aller m'acheter un jean propre hélico! Mais t'es complètement folle, toi! Je vais pas t'acheter un nouveau jean, tu te prends pour qui? Par ta faute, mon pantalon est sali! Alors tu vas réparer ton erreur! Dégage, la grognasse! Je ne te permets pas de me parler sur ce ton! C'est toi qui as commencé! Ah bon, je laisse tomber! T'es un cas désespéré! Je nettoierai en arrivant! C'est ça, casse-toi! Non mais je vous jure, elle se prend pour qui, elle? Moi? C'est son téléphone? Il a dû tomber de sa poche lors de sa chute. Hé, hey, toi! Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu me suis ou c'est comment? Non mais tu as... Ah, j'ai compris ton petit jeu. Tu es tombé sous mon charme et donc tu me suis à la trace pour me draguer. Hein? Quoi? Mais désolé, mon grand, mais c'est mort. Tu es beaucoup trop pénible à mon goût. Non mais... T'es certes un minimum beau, mais pas assez pour ma personne. Tu vois, il me faut un mec attentionné, un peu musclé, qui me traite comme je le mérite. Tu comprends? Je voulais simplement te rendre ton téléphone. C'est gênant. Oui. Comment dire? Tu peux faire comme si t'avais rien entendu, s'il te plaît? Le vaut mieux pour toi. Merci. Bon, salut. Attends. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut bien que je te remercie. J'ai une dette envers toi. Quoi? Non. Ah, mais attends. Et j'ai compris. T'as volé mon téléphone. Mais... Comme ça, tu me le rends pour que je te donne mon numéro. T'es malin, toi. Mais pas du tout. J'apprécie l'effort. C'est original comme approche. Au fait, moi, c'est Karen. Qu'est-ce que... Thomas? Tu sais quoi, Thomas? Je t'accorde un date. Un date? Ouais, rendez-vous ce soir à 20h au Philodendron. Allez, à plus! Il vient vraiment de ce qui vient de se passer? 20h30. Il ne viendra pas. Il fallait s'y attendre, c'est un parfait inconnu. Dommage, il était plutôt mignon. Plutôt quoi? Ah, quoi? T'es là? Eh ouais, même moi je ne sais pas pourquoi je suis là. J'ai hésité, puis je me suis rappelé que vu que tu m'as invité, c'est toi qui payes. Câlin, le mec! Sérieux, une jolie fille t'invite au resto et tu oserais lui laisser toute l'addition? Ah, parce que tu te trouves jolie. Tu me trouves pas mignonne? Ah, moi qui avais fait un effort! Goujat! T'es un phénomène, toi! Si, si, t'es très belle comme ça. Tu rigoles? Pourquoi? Il ne faut pas? Si, si! J'avais juste l'impression que t'étais un mec désagréable qui fait la gueule à H24. Faut dire que tu ne m'as que crié dessus depuis le début. Sinon, pourquoi le Philodendron? C'est un bon resto? Non, pas du tout. C'est vraiment moyen comme qualité. Alors pourquoi on est ici? Ah, ouais, tout simplement car c'est ma fleur préférée. Ah ouais, il t'en faut peu. Pas du tout. Sinon, ce que j'adore, ce sont les petits plats préparés avec amour. Un bon fondant au chocolat en forme de cœur. Y'a rien de mieux pour me faire craquer. Enfin si, y'a les petits chiens. J'adore les chiens. J'aimerais tellement avoir un chien plus tard. Je ne sais pas encore la race. Un beagle peut-être? Oh, et puis une famille aussi. Idéalement une fille. Elle parle quand même beaucoup. Mais bizarrement, ça ne me gêne pas. C'est agréable de l'écouter. Elle est craquante comme ça. Je pourrais rester des heures à l'écouter. C'était génial. Merci encore d'être venu. Ouais, on se refera ça. Demain? Déjà? T'es vraiment un phénomène. Eh bien, ok, ça me va. Super! Même endroit, même heure. Bye bye! Ensuite, ça a duré des mois et des mois comme ça. On s'avouait nos sentiments un mois plus tard, emménager ensemble après 3 mois de relation. Avec elle, tout va si vite. J'ai appris à cuisiner pour elle. Je lui ai apporté toutes les semaines un philodendron. La vie était si belle. Puis le jour de nos 2 ans... C'est pas sérieux, Thomas! Tu pourrais au moins bien mettre ta cravate! Oui, bah ça va, je me suis dépêché pour arriver à l'heure! Et tu es encore arrivé en retard! Tu ne changeras jamais! Et toi non plus! Je sais que tu m'aimes comme ça! Allez, on rentre! C'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On part, Karen! Oui! Karen? Lève-toi! Karen! Karen! Non! Lève-toi, je t'en prie! Oh non! Non, meurs pas, je t'en prie! Karen! Thomas... Ne parle pas. Repose-toi. Tout va bien se passer. Hé, Thomas... Je me suis prise une balle. Pas la peine de mentir. Non, non, non! Vis, s'il te plaît. Vis ta vie. Je veux que tu trouves une meilleure petite amie que moi. Mais je trouverai jamais mieux que toi! Si
drague toutes les filles que tu croises, s'il le faut. Mais tu trouveras Thomas. Non, non, je t'interdis de dire ça. Je t'aime, mon cœur. Karen ! Non, non, Karen, n'abandonne pas, je t'en prie. Karen, je peux pas vivre sans toi. Je t'offrirai autant de philodendrons qu'il faut. Je te cuisinerai autant de fondant que tu veux. Karen, Karen, fais-toi, s'il te plaît. Vous. Vous avez détruit ma vie ! Dégagez d'ici ! C'est ça. Ouais, c'est ça. Je vois toute ma vie défiler devant mes yeux. Enfin, non. Je ne vois que mes moments avec Karen. Ma vie était si merdique avant que je la rencontre. C'était donc ça, le bonheur. On y est. Ma mort est proche. Je te rejoins. Karen. Thomas, Thomas ! Karen ? Vis, s'il te plaît. Vis pour moi. Karen ! Ah ! Hein ? Où est-ce que je suis ? Vous allez bien, monsieur ? Où est Karen ? Karen, qui est-ce ? Hein ? Hein ? Pourquoi vous avez des oreilles de renard ? Je suis une semi-humaine, c'est normal. Quoi ? Ah, je dois rêver. Ouais, c'est ça, je délire totalement. J'étais sur le point de mourir. Ça doit être une hallucination. Un truc avant la mort. Ah ! Ow ! Vous avez eu mal ? Ouais ! Alors vous n'êtes pas en train de dormir ? C'est... correct, je suppose. Bon, je suis où ? J'ai l'impression que vous avez perdu la mémoire. On est au village des elfes, chez vous, quoi. Quoi ? Je me suis réincarné en elfe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous rappelez de votre nom ? Mon nom ? Je peux être qui je veux ici. Karen, je vais réaliser ton souhait. Je vais vivre en pensant à toi tous les jours. Alors quoi de mieux que porter le nom de tes fleurs préférées ? Enfin, à ma sauce. Je m'appelle Philo. Ouais, je m'appelle Philo. Oh, c'est pas le moment de dormir, là ! Hein, quoi ? Lève ton cul et bats-toi ! Il s'est passé quoi ? Tu as reçu une masse dans la tête. Normalement, c'est moi qui dors. Super. Bon, désolé, je suis là. Eh ouais, et c'est le meilleur elfe sur le devant de la scène. Et je vous promets qu'après ce combat, je vais pêcher au bar du coin. Ce sera ma petite récompense. Alors, entraîne pas. Non mais j'y crois pas, quel culot cet elfe. Il pique un somme et il ose nous donner des ordres. Incroyable. Oh, je t'emmerde, nain. Vous vous disputerez plus tard, on y va. Ouais.